Galara, tu vas du coup jouer Ness. Je ne connais pas, comme beaucoup ce soir. Ah, c'est déjà rempli, c'est tout le temps. Ok. Deux affrontements. Parfait. Donc là, léger avantage pour le Bowser, mais c'est là, ça va changer. Galara a des bonnes petites phases en début de match à bas de la règle. Ok, d'accord. Comme ce piqué fire qui l'a empêché de remonter, c'était plutôt bien joué. Probable qu'elle aurait peur qu'à tenter avec son invincibilité de faire un petit forward smash histoire de tuer, mais ça n'est pas passé. Encore un forward smash Encore ah, avec celui-ci passe avec l'armure de Bowser. Ça gratte un peu les dégâts. Oh, belle niche, qu'on est tué. Belle punition. Ça met les flammes. Tu l'es fait. Oh là là, bien joué. Ce forward smash qui vient toucher le Ness qui retombe. Toujours du plaisir de mettre le Bowser. Hop là. Ah peut-être, après sachant que le feu et Bowser qui généralement bon ménage. Bah puis il y a un jeu plutôt aléatoire qui rend les choses plutôt dures. Ah, dommage pour ça là, sur taper le net. Sur le, un petit match-up assez intéressant. Face au ça, ça reste assez. Ça vaut beaucoup. On va pas se mentir. Ça passe entre des phases de tour et de Japon. Ouais, c'est ça. C'est un petit peu un match de Pokémon finalement. Le seul match qui est pas sur Pokémon Stadium, mais... le seul qui aurait été Pokémon sur un petit garçon. Oula. Je vais pas aller en prison, c'est le sujet. C'est pas combattre des petits enfants avec des tortues avec des pics sur leur carapace. Oh la jolie yo-yo qui m'a pas tué, parce que Bowser est quand même assez gros. Ah bah tu vas essayer peut-être de chercher la choc. Allez là. Très gros box les attaques de Bowser. Oh la tâche attaque, hop là tu remontes pas. Oh là, s'arrêter par le nerf. N'importe quoi, tu pourrais tuer le genre. Ah oui, là, voilà. Comme ce. Et donc voilà, Rico qui vient plus dans ton S. Il y a un père. Ah, le père, ça tue. Ça se vaut, ça se vaut. Ah, ça se vaut. Ah, la petite choc qui avait 22% dès le début. Hop là. Ça rien. Voilà, le père, malheureusement, ça le finit pour l'Est, il est trop loin. Ah, ça tente des forward smash des deux côtés maintenant. Ah oui, c'est 0%. Ah oui, non, pour l'instant, là, on ferme le 0 tout test, vous l'avez de le dire. Ah, la punition, oui, le Piquet Thunder. La belle patience de Bab. Il fallait, il fallait attraper le ledge. 1-0 pour Bab. C'est un match qui a c'est autant serré qu'il se passe des choses. Intéressant. Quelle efficacité. Ouais, le même stage. Ok, parfait. Qu'est-ce qu'il demandait? Oh là, les trades. Hein. Avantage pour Desk, il y a 0,4 points en plus. Que tout de suite. Tout de suite, quand tu commandes sur les pourcents, c'est pile le moment où les pourcentages s'inversent, forcément. Oh la jolie downer. Oh la la. Il top le forward smash. Oh là, il a dû se tromper. Hop là, exemple, up smash. Il va venir tuer. Les fire. Chop. Alors la bâtisse on ne tue pas encore. Mais
Le choix est équilibré. Et voilà. Fair play, c'est bon. Ah oui, il faut venir chercher. Oh là, encore une fois. Il l'a eu. Il a lu le dash. Il a su qu'il avait dashé. Il faut rentrer dans la tête. Ah, le test accompli, hein. Pas trop s'approcher. Pas trop s'approcher, hein, quand même. C'est plutôt serré. Voilà. Là, pour une fois, rate son dernier. Il rate petit à petit. Hein. Ah bah, petit à petit, un gros petit à petit. Oh, ça tue! Après 90, c'est pas sur cette plateforme-là. Ah, la chasse est bien esquivée, bien plus. Le yo-yo qui vient chercher sur la plateforme plus haut. Oh là là, ce down B pour rester un tout petit peu en l'air et ainsi esquiver l'attaque. Plutôt malin. Ça reste quand même serré. Ah oui, c'est vrai que le grab et le tuer Ah oui, éjecté. La dame throw de Ness, c'est vrai que ça pouvait être potentiellement tué. Oh là là, parce que le shield en prend un coup. Je préfère tuer au smash. Ouh, la dash attack. Il a essayé qu'il a refait l'erreur de ne pas attraper le ledge. C'est 2-0 pour Bab. Bien joué à eux.